Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 19 du Dungeon Code 2022. Donc c'est une partie qui va être assez rapide parce que en fait j'avais un peu la flemme de faire cette deuxième partie. En fait j'ai testé le... Alors pour vous expliquer le puzzle rapidement, c'est la même chose que la partie 1, sauf que maintenant on doit faire 32 minutes à la place de 24 et on doit considérer seulement les 3 premiers schémas. Donc j'ai testé un petit peu avec ma solution avant, bien sûr c'était trop lent, elle mettait trop de temps à calculer. Mais finalement, je me suis dit, oh, j'ai la flemme d'essayer de trouver une solution et je ne trouvais pas vraiment de solution meilleure. Pourtant, la solution est toute bête. J'ai regardé après, elle est vraiment toute bête. Enfin, j'espère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de 24 à 25 et ça calculait. Et 25 à 26, ça calculait. 26 à 27, etc., etc. J'ai avancé comme ça, progressivement. Et à chaque fois, je notais les max que j'obtenais et je les reportais dans ma fonction. Donc là, si on regarde ma fonction qui est là, compute, je lui passe 0 par défaut. Et du coup en fait je regardais le max de 24 et je mettais les max de 24 ici pour chacun des blueprints et puis après max 25, max 26, etc., etc. Et du coup le max de 32 là j'ai réussi à le faire en 13 minutes je crois c'était. Oui c'est 13 minutes. Donc c'est beaucoup trop lent bien sûr. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais essayer de le recoder de façon un peu plus propre et voir si avec une optimisation que j'ai vue en ligne ça fonctionne. Et c'est une optimisation toute bête mais j'ai pas du tout pensé. Donc on va voir, on va tester ça. Je garde un peu le suspense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on doit retrouver 62 fois pour le tout, 62 fois 56 pour le test. Donc on va tout de suite mettre le test ici. Hop, 62 fois 56. Donc ça me donne le résultat pour la partie 2. Et puis on va créer une fonction maxGeode qui prend une line, qui est un str, qui prend un max minutes, qui est un usize, et qui nous renvoie un usize, et qui va faire cette partie-là, parce qu'on ne va pas répéter trop cette partie-là. Donc, voilà. Et j'ai dit même qu'elle me retournait, hop, blueprint.id, parce que je vais avoir besoin de l'id pour la partie 1. Ok, ça renvoie du coup un usize, size. Ici, on va lui passer aussi le max minutes. Et ici, on va avoir le max minutes size. Le max minutes, on va l'utiliser dans aux deux endroits là, ça va être des plus 1. Max minutes plus 1. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Ici, je vais avoir let blueprint ID, virgule. Max est égal à max geode de line et max minute ça va être 24 dans cet exemple là et du coup ici hop on peut print ce truc là blueprint id tac tac et du coup on peut tester nos cargo test bin 19 j'ai pas la fonction par 2 pour l'instant on va mettre la fonction par 2 comme ça. Ça va être la même. Qu'est-ce qu'on a à compute? Ah oui, ici il faut que je passe dans tous mes callbacks, il faut que je passe le max minute aussi. On va le passer en release quand même. Il va le faire deux fois donc ça prend un petit peu de temps. On panique, on obtient 333 alors qu'on attendait 3472 donc ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, notre partie 2, du coup, on va lui passer 32, je crois, c'est du coup qui vaut. Ouais, c'est 32 minutes. Et on va mettre en place la petite solution qui améliorera, je pense, sans doute les performances. Can create strugmush, ici, il faut rajouter un autre et. Et state. Alors, geode. Dans le blueprint, on va peut-être stocker un truc complémentaire pour pas avoir max or needed. Ça va être un usize. D'ailleurs, je vais peut-être le faire comme ça. On va le faire comme ça. Donc ça, ça va pas du tout être du tout ici. Alors on a les costs. Tac tac tac. On va un peu hop les splitter. Et ici,
on va mettre max geode needed. En fait, l'idée, c'est de dire, si tu as, c'est tout bête, hein, si tu as déjà deux, si ça coûte le plus gros, le robot qui te coûte le plus cher en or, par exemple, il coûte 4, ça sert à rien d'avoir plus de 4 robots d'or, parce que sinon tu peux en créer qu'un seul par tour, et du coup, ça sert à rien, tu peux pas accumuler, enfin, ça sert à rien d'accumuler dans, dans cette partie, enfin, dans ce puzzle. Donc, ici, quand on va créer un robot dans le blueprint, on va également lui passer, alors ça va nous complexifier un peu la vie, parce qu'il va falloir que je fasse... Alors, il va falloir que je fasse ça, tac, 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 est égal, let, et ici, je peux tout supprimer, ok, et du coup, il me manque, hop, 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 et je vais mettre mes max, ah bah max geode, ça n'existe pas, hein, d'ailleurs, j'en ai que 3 à mettre, alors, max or needed, max clay needed, c'est juste celui-là. Max geode robot, cause geode robot in obsidian, c'est ça. Et max or, c'est le seul qui est un peu plus compliqué, ça va être max de cost or in or, cost or robot in or, cost clay robot in or. Et je pense que max prend que deux paramètres, donc on va être obligé de faire un autre max de cost obsidian robot in or et cost donc ça va pas fonctionner j'imagine, non, il va falloir que je refasse un autre max, voilà, ok, donc ça nous donne trois valeurs qui nous permettent de simplifier vachement je pense, pas le, enfin d'après ce qu'ils disent sur internet ça facilite vachement, donc on va voir si c'est beaucoup plus rapide ou pas. Can create geode robot, donc c'est et. Alors, pour le géode, on a forcément tout intérêt à le créer de toute manière. Pour le obsidian, c'est et que blueprint.max obsidian needed est inférieur et supérieur, strictement supérieur, à state.obsidian robots. Voilà. Et ça, on va pouvoir le mettre aussi également ici pour le clay. Ça ne sert à rien de créer un robot de clay si on a déjà trop de robots de clay. Et là, même chose pour l'or. Voilà. Et du coup, on peut relancer avec ça. Alors, tchac, and wrap. Qu'est-ce qui ne m'aime pas là? Ah oui, ici, j'ai. Hop, point virgule. C'est quand même lent. Je m'attendais à plus rapide. Ça avait l'air de. Les gens, ils avaient l'air de dire bon, c'est juste ça, et puis. Ça fonctionne. Je vais juste voir si c'est le 1 qui prend du temps ou si c'est le 2. Ah, bah c'est bon. Ok, par contre le 2, on n'a pas trouvé la bonne solution. Ok, le 1, il est quand même vachement plus instantané, je trouve, que avant. Et le run, ouais, il va quand même vachement plus vite pour le 1. Par contre, on trouve pas la bonne solution. Ça, c'est étonnant. Pour la partie 2, ici, j'ai passé 32 partout. Tac, tac, tac. Ici, il faut que je fasse aussi un take 3, même si ça change rien pour l'exemple, parce qu'on fait que les 3. Et ah oui, et non, de toute façon, c'est juste que ici, c'est pas la somme qu'il faut qu'on fasse, c'est un mul 1 mul fois égal max. Il n'y a pas d'histoire de blueprint ici. Ok, donc ça, c'est sans doute ça qui me posait souci pour mon test. Alors, combien de secondes ça va prendre? Ça prend quand même un petit peu de temps. En attendant, je vais juste faire ça sur la partie mettre ma partie 2 ici et je peux peut-être le lancer en parallèle. Cargo run, ah bah il a fini, oui c'est passé. Bin 19 release. C'est pas quand même instantané, je crois que c'est censé être fait en moins de 15 secondes. Ça prend quand même un petit peu de temps. Même avec cette petite solution. Bon, normalement, on devrait trouver la bonne solution, hein, je pense. Il n'y a pas de raison que ça ne trouve pas la bonne solution. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais faire? Je ne sais pas trop. Oui, ce que je pourrais faire d'autre. Une autre idée, c'est que les gens, je pense qu'ils le font en parallèle. Donc, en fait, tu pourrais techniquement paralléliser le côté...
le compute. Je sais pas si c'est facile de le faire, le paralyser. Parallèle for loop Rust. Parce qu'on pourrait juste créer un thread, en fait, qui fait le calcul. Thread Rust. Et qui nous retourne un résultat. Thread spawn, tatatat, println. Parce que là, ouais, il a calculé le 1, mais ça a pris un peu de temps quand même. Donc si je fais un thread spawn, je serai sur 3 ST thread. Je peux le faire que sur la partie 2. Hop, sur la partie 2, là je peux faire tac tac tac, je peux faire mon calcul ici. Alors ça il va pas aimer. ça il va pas aimer parce que mul c'est pas un truc, mais je pense que je peux faire un arc. Je crois, est-ce qu'on peut dire handle thread spawn, tac tac tac. Handle join unwrap using move. Comment on peut faire pour je veux pas move, je peux zoomer un petit peu si vous voyez un peu mieux. Using message passing share state concurrency, parce que moi j'ai pas besoin de mutex. Counter mutex thread spawn mutex move mutter handles push handles under join. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire, ça, moi. Du coup, c'est ça. Je vais faire un tac. Hop. Donc, j'ai mon mule qui est un counter. J'ai mes handles qui sont là. On va push mon handle ici. Le temps que je le fasse, ça sera terminé, mais bon. Bon, ça vous montre d'autres choses. Donc, un mutex plutôt qu'un arc. Je sais pas si c'était possible de faire un truc. Là on a juste à faire ça. Num mul. Ok, et là ça nous fait mul.log.unwrap ici. Hop, et là il faut le déréférencer. Et du coup, je crois que ça devrait nous le multithreader. Ah, il faut peut-être mettre un move ici. Ah, ça plante. j'ai pas pris le bon truc. RC new. Il faut créer un RC new avec un RC clone. Ouais. C'est quand même plus compliqué que RC new. Et là, à chaque fois, il faut clone. Dans la boucle ici, il faut faire clone de mule. Donc on a un handle, on passe un reference count, ok, tac tac tac, et du coup on peut l'unwrap. Mule, pourquoi il aime pas ça? Ah non, ça plante encore, non! Ok, c'est arc qu'il faut. Ok, c'était bien arc, j'avais bien en tête le bon truc. Donc c'est un arc mutex qu'il faut, arc clone. Tac, 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 tac. Et celui-là, il compile. Ok, ça, c'est l'exemple qui compile. Ok, bon, c'est parce qu'il y a des exemples qui compilent pas. Et à la fin, pour récupérer la valeur, counter, lock and wrap. C'est marrant parce que c'est ce que je fais, mul lock and wrap. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. let result est égal à ça. Ok, c'est juste que c'est sur la même ligne et du coup il aime pas trop des fois. Ok, donc là il l'a trouvé 9, 27, 28. Ok, ça a pris un peu de temps, mais bon voilà. Et du coup là, normalement ça devrait être plus rapide, mais bon, on va pas de toute façon attendre. Ah bah ouais, il a déjà trouvé le 3. Le 3, il a trouvé que c'était 28. Hop, je peux enlever ça en attendant.
Mais du coup, on voit que le 3, c'est le premier qui arrive, et potentiellement, il y aura le 2 et le 1 qui arriveront. Je peux lancer un cargo test pour voir si c'est plus rapide le cargo test. Mais bon, enfin, donc voilà pour ce puzzle. C'est pas le plus optimisé, je pense qu'il y a moyen de faire encore des choses mieux que ce que je fais actuellement. Peut-être que je passe trop de temps dans la théorie. J'ai pas vu des gens qui faisaient des théories aussi compliquées que moi. Enfin, ce que j'appelle théorie, c'est ce truc-là. J'ai pas vu des gens qui faisaient ça aussi compliqué. Finalement, je pense que peut-être que ça nous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Peut-être qu'il y a plus simple de se dire juste, bah ok, est-ce que j'ai assez de minutes pour créer assez de géodes? Ça peut permettre peut-être de split moins. Donc je sais pas trop. Mais bon. Ok, là ça a fail. On a obtenu 0. Partout is 0. Je sais pas trop pourquoi. Pourquoi partout est 0 mille fois max? Ah, parce que j'ai mis 0 à la fin. Parce que ça, c'est un mutex 1 qu'il faut mettre. Voilà, c'est juste ça le problème. Puisque 28 fois 27 fois 29, ça devrait nous donner le bon résultat. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.